am solo daal di jàkkaarloo ak askan wi daal di jàkkaarloo ak population bi daal ci def waxtaan bu am solo kon nag ñu daal di ak. Je voulais d'abord féliciter très sincèrement tous les responsables du parti au niveau de la région de Kolda, ceux qui sont venus du Medina et Olfla, ceux qui sont venus des communes de Velingara, mais aussi du département de Kolda. Je pense que c'était une rencontre importante qui se tient à un moment aussi stratégique parce que nous allons vers des investitures dans les différentes coalitions. Donc il était important qu'après plusieurs mois de léthargie, pour ne pas dire 2 ans de léthargie, que le parti se rebuffe et qu'il monte un peu sa force. Donc j'ai toujours dit que dans un groupe, pour être fort de façon. Dans le groupe, il faut d'abord que vous soyez, vous montrez vos biceps. Donc c'est important que l'UCS se relève, se réorganise et je constatais que le parti est bien là et bien présent. J'ai reconnu tous ceux qui étaient là depuis le début. Il y a de nouveaux visages, donc il fallait que nous puissions faire la symbiose de tout cela et puis donner des directives pour que le maximum d'entente soit instauré au niveau de la coalition, que les gens puissent aller ensemble, gagner ensemble, mais aussi dans le respect des poids et surtout les capacités des uns et des autres. Je pense que notre parti est un parti très fort dans la région de Kolda. Il est important et nécessaire que surtout une attention particulière nous soit accordée, que nos candidats s'y voient parce que c'est ça aussi qui va emporter cette adhésion, cette unité qui est réclamée un peu partout. Donc je suis venu pour donner des instructions, des directives, donner des informations par rapport à ce qui va se passer, les cautions, la constitution des listes, mais aussi les dates butoir qu'il fallait peut-être respecter pour aller vers. La question, elle est unique. Elle est quand, pour ce qui concerne les coalitions qui partent en élection au niveau national. Quand vous avez, par exemple, la coalition Beno Bokayakar qui va aller dans tous les départements du Sénégal, dans toutes les communes du Sénégal. Bien entendu, ne paiera que 15 millions pour toutes les communes du Sénégal, mais aussi 15 millions pour tous les départements. Pas par commune, c'est une caution unique qui est déposé par liste, par tous les types d'élections. Donc par conséquent, pour ceux qui veulent maintenant être des indépendants et qui se présentent que seulement dans une seule commune ou dans un seul département, il est évident qu'il leur sera demandé de payer les 15 millions pour la commune à laquelle ils se présentent. Donc c'est ça la différence. Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Alors, les gens pensent que c'est dans chaque commune qu'il faut payer 15 millions. Les 30 millions, c'est les 15 millions pour les communes, pour tout le type de, pour toutes les communes du Sénégal, mais aussi 15 millions pour tous les départements. Parce qu'il s'agit de deux types d'élections. Quand vous allez dans l'île, vous prenez d'abord un bulletin pour aller voter pour le maire, et ensuite vous repartez pour reprendre un deuxième bulletin pour voter pour le président du département. Donc c'est pour ça que pour chaque type d'élection, il a été instauré cette caution de 15 millions. Je pense que tout le processus est en train d'être respecté, le calendrier républicain est pareil. Les inscriptions sur les listes électorales ont été effectuées. Nous sommes dans la période contentieuse qui va se dérouler jusqu'au 14. Et ensuite, il y a la redistribution des cartes et puis tout le processus va se poursuivre. Donc il n'y a pas de raison, il faut être prêt et sûr que nous allons vers les élections le 23 janvier 2022.